Tout à l'heure, j'essaie de manger, mais j'arrive pas à ouvrir la bouche, genre à cause du masque. Au coup, ça me bloque. Je vais te couper tout. Là, là, c'est ça qu'on aime toujours à l'heure. Faut le dire vite, hein. Faut le dire très vite. Combien de minutes de retard on a? 20. Voilà, merci. C'est parti. Du coup, on est parti ce matin pour un shooting. Ce matin, donc, j'ai eu le temps de me réveiller, de masser le pied de Thomas parce qu'il a trop mal au pied avec le gel, d'emmener mon fils à la crèche, la base, de me recoucher, d'aller faire des papiers. Donc, j'ai été faire plein de papiers à Dubaï. Ça a pris 20 minutes, mais bon, c'était essentiel pour des projets. Et voilà, et lui, il arrive comme une fleur. Hello, how are you? Hey. Les imprévus à la dernière minute. Alors j'avoue que j'ai mis un imprévu, genre il a tout préparé, la valise elle est prête, tout est prêt. Et j'ai cassé un ongle et j'ai gardé l'ongle. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, trouve-moi de la colle. Il fait trois pharmacies et tout, il trouve pas. Je dis, bon bah c'est pas grave, il me fait. Mais j'en ai à chez moi, donc à son hôtel. J'ai ok, il retourne à son hôtel, il me ramène la colle, je finis mon petit déj, on est synchro. On se casse, direction le shooting les gars. Highlighter for life. Highlighter for life. Yeah. Ça se voit que c'est pas mes vrais cheveux, sinon je serais pas bien. Je serais stressée. Ah, j'aime trop les cheveux. Je suis en train de lire des commentaires, il y a des gens, c'est des fous. Ils disent quoi? Ouais, elle est en train de jeter l'argent par les fenêtres parce que elle fait une chambre à son fils alors qu'elle va déménager. Donc déjà de 1, je fais ce que je veux avec mon argent étant donné que c'est le mien et que je le gagne par moi-même, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est mon propre argent, donc forcément je peux faire ce que je veux vu que c'est mon argent. Et deuxièmement, oui, je fais une chambre à mon fils, même si ma maison elle est en construction, qui va avoir une chambre encore plus grande et encore plus belle et encore mieux décorée. Mais là, j'ai envie de faire une chambre à mon fils, tout simplement parce qu'on va rester encore 3 ou 4 mois et que j'ai envie qu'il ait son propre espace. Il commence à grandir, il a besoin de son espace de jeu. Voilà, donc oui, d'un côté, j'achète des sacs à main, mais oui, je paye aussi des chambres à mon fils. Donc c'est comme ça. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je suis très généreuse et surtout quand c'est pour mon fils, il manquera de rien. Et même si je dois me priver un jour pour donner des choses à mon fils, je m'en fous. C'est mon fils, il passe avant moi. Il y a moi, il y a mon fils. Fils qui est là-haut, genre tout là-haut, et après il y a moi. Voilà, donc c'est comme ça. Et oui, je vais faire une chambre. Oui, j'ai fait de la peinture sur les murs, c'est la vérité. Ouais, j'ai payé des artistes spéciaux qui ont dessiné sur mes murs. Si vous voulez savoir, je vais même faire du sur mesure. Il va avoir une petite chambre sur mesure. Voilà, donc il est au max. Moi, je veux qu'il ait son espace de jeu. Il commence à devenir petit garçon, il a besoin d'avoir des repères. Donc je veux qu'il ait sa propre chambre, même si on va partir dans notre nouvelle maison dans 3. Qu'il ait son espace de jeu bien décoré, sa petite chambre, ses affaires, ses jouets, pas qu'il joue dans le salon à chaque fois et qu'après on le mette dans sa chambre, non. Je veux qu'il ait une jolie chambre, c'est important pour moi et c'est important pour lui avant tout d'avoir une jolie chambre avec une place où il se sent à l'aise et un espace de jeu. Donc voilà, si ça vous plaît pas, arrêtez d'envoyer des messages, ouais, tu jettes ton argent par les fenêtres et tout, ça sert strictement à rien vos messages. Et voilà, c'est tout, point barre en fait. En fait, Akram, il est venu me prendre une photo et là il a trop peur d'allumer ses chaussures. Et là, en plus il me dit que je dois lui réacheter, c'est con. Non mais c'est une blague j'espère. Mais j'y crois pas, il est passé par là le flemmard au lieu de faire le tour. Bah oui si tu tiens tes chaussures. Mais c'est grave, t'es passé comme ça. T'es comme Moïse. T'as marché sur l'eau comme Moïse, t'es un fou.
Tu peux séparer la piscine en deux. Sépare la piscine en deux. Ouah, vas-y. Il marche sur l'eau. Après, je fais plouf. Plouf. J'en ai marre. Et j'ai trop froid. Oh, les gars, Dubaï, il fait trop froid. C'est un truc de fou. J'ai voulu aller dans ma piscine, faire une photo que je n'ai pas faite, puisque ma perruque, elle est tombée dans... Elle est où, la perruque? Il a oublié la perruque là-bas. Mais je m'en fous, tu retombes. Mais non, mais t'es malade. Marche sur l'eau, c'est mort. Mais allez, c'est plus Moïse. Marche sur l'eau. Mais je vais niquer mes chaussures. Comment on va faire? Oh non, je suis trop triste, Akram. Waouh! Arrête, je suis tombée une fois. Je te rappelle que je suis tombée. Bravo! En plus, ça fait trop beau avec la vue et tout. Oh là là, les trucs de Thomas. Stylé. Il a du goût. Personne qui s'inquiète pour moi, je n'ai pas le Covid, je n'ai pas le coronavirus. Merci de vous inquiéter. J'ai encore fait un test il y a 2 jours. Je suis négative. Merci. Je fais les gestes barrières. Et voilà. C'est grave. Et sentir des choses chez moi pour voir si j'ai pas perdu l'odorat. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais sentir? Mon parfum de genre, Terrabella, ok. Je sens pas trop. En fait, je sens pas de ouf. Toi, tu sens? Non, je sens. Sens, vas-y, mets un parfum. Ça, il est fort, ça. Moi, je le sens. Je le sens. Oh non, je reste pas à côté de toi. Non, mais je le sens, mais pas comme d'habitude. Mais pourquoi vous barrez, sérieux? Mais pourquoi vous cassez? Mais c'est bon, je rigole, je le sens. Mais je rigolais. Je sens un petit peu. J'aurais fait une blague, ils ont voulu partir. C'est grave, hein. Mais c'est bon, je rigolais. Oh là là. Tout ça pour qu'on reste avec toi. Bah ouais. J'ai mal, j'ai mal. J'ai déjà mal. Pourquoi j'ai des poils ici? Je comprends pas. En 2020, 2021, j'ai des poils sous les bras. Ça sert à rien, j'ai même pas froid sous les bras. Mon Dieu. Ouf. Mon Dieu, maintenant il y a l'autre côté. Comme si ça suffisait pas d'avoir un côté avec des poils. Ça me brûle. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oups, purée, ça va. Oh, thank you. Ouf. Ah, t'as de la force, hein. Merci. Je t'en prie. Alors, ce que je vais faire, donc là, je vais me laver les cheveux. Je vais faire le shampoing Botox du salon Naël. Ça va permettre de les hydrater. Il y a de la kératine, de l'acide hyaluronique, donc ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Et juste après, je vais faire le Botox capillaire que mon gentil mari m'a ouvert. Donc c'est celui-ci, il en reste plus beaucoup. Donc c'est un pot de 500 ml, avec ça vous pouvez faire plus de 15 utilisations. Comment ça se passe? Vous lavez vos cheveux avec un shampoing, de préférence celui-là, parce que c'est vraiment la même gamme en fait. Et ensuite vous appliquez le Botox capillaire qui est un soin profond professionnel. Vous l'appliquez sur toutes les longueurs, vous laissez poser 30 minutes et vous rincez. Qu'est-ce que c'est que le Botox capillaire? Donc c'est un soin qui va permettre de réparer le cheveu à l'intérieur, donc vraiment en profondeur. Ça n'a rien à voir avec un masque qu'on peut faire habituellement. Ça, c'est un soin profond. Donc les résultats, vous allez les voir sur du long terme. Si vous avez des cheveux qui sont genre brûlés par les plaques, si vous avez les cheveux qui sont donc abîmés parce que vous les sollicitez trop, genre trop de sèche-cheveux, trop de fer à lisser, trop de fer à boucler, des mèches, des couleurs, il faut absolument faire un genre... On va dire 2 fois par mois, ça va vous sauver vos cheveux et ça va aussi vous éviter de les couper, de trop les couper. C'est pas un lissage, hein, donc même les personnes qui ont des cheveux frisés, bouclés, il n'y a aucun souci, ça va même sublimer vos boucles. Vous allez avoir des cheveux moins secs, de meilleure qualité, healthy et surtout plus fourches, plus ces pointes sèches, dégueulasses et plus de petits frisottis autour. Donc vous pouvez même en mettre vraiment partout. Vous laissez poser 30 minutes. Et vous rincez. Si vous pouvez laisser poser un peu plus, tant mieux. Sinon, 30 minutes, c'est vraiment le minimum. Et ça va? Tu m'as pas vu la journée? Si, je t'ai vu. Pas beaucoup. Je t'ai vu sur Insta.
J'ai vu que t'as mis des gants en cuir. Ouais. Ah, t'aimes? J'adore. Ça te plaît? Si tu peux les remettre ce soir. Ah, oh, mais non. Mais c'est pas possible, sérieusement. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a perturbé. Ah oui, donc, vous avez moins 50% sur toute la gamme Botox capillaire du Salon de Naël avec mon code promo. Donc, je vous le donne. Ça vous permet de tester les produits. Vous allez surkiffer si vous avez les cheveux secs, abîmés. Enfin, moi, c'est ce qui est mon cas parce que je fais tout le temps des shootings, des brushings. Je change. Là, vous avez vu, j'ai éclairci. Donc, le seul moyen que je puisse éclaircir sans avoir des cheveux cassés, brûlés, que je dois trop couper, c'est de faire le Botox capillaire. Ça sauve les cheveux, vraiment. Bien habillé mon cœur. Tu fais un bisou à maman? Tu fais un petit bisou à maman, s'il te plaît? Oh mon bébé, toi. Oh, t'as bien mangé, hein. Tu t'es bien sali aussi. Tu me fais un petit câlin, tu m'as manqué. Dans ta chambre? On va voir l'avancée. Oh, c'est joli. Alors? Alors, mon bonhomme, ça te plaît? Waouh! Ouais, c'est joli. Il y a plein de choses là, on peut pas toucher. Hein. Alors mon cœur? Non. This is toxic for you, ok? Just look. Mountain, you like it? Yeah? Look, monkey. Oh, regarde, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça hier, mon cœur. C'est un petit arbre et tout. Yeah? Tip-tip-tip-tip. Yeah. It's new, this one. Yes? I'm coming. Viens, papa, il appelle. Papa, il nous appelle. Viens. Vite. Papa, il nous appelle. Vite, mon cœur. On arrive, papa. Merci, bébé. Miam, miam. Je continue ma cure de chez Nature Brute. Donc, je vais vous montrer, en fait. Les petites gélules. Prendre avec un grand verre d'eau. Donc vous en avez deux. C'est 100% naturel. C'est un produit qui est juste génial. Donc vous avez le gingembre. Après je vous expliquerai au niveau des bienfaits, etc. Et le fenugrec. Donc moi aussi je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc vous prenez la combinaison des deux, en fait. Va éliminer les toxines, la peau d'orange, la cellulite. Enfin tout ce qu'on n'aime pas. Et pareil, vous prenez deux gélules de chaque par jour. N'importe quel moment de la journée, de préférence le matin, mais j'ai pas eu le temps. Ce matin, j'ai complètement zappé. Donc, c'est comme ceci. Pour avoir l'action anti-cellulite et anti-peau d'orange, vous avez besoin de ces deux-là. Le fenugrec, qui a aussi une action antioxydante de par la vitamine C qui le compose. Ça va permettre de garder la peau hydratée et plus élastique. Si vous l'associez au gingembre, donc celui-ci, qui est reconnu pour son action naturelle, antioxydant et brûleur de graisse. Donc ça, tout au long de la journée, ça brûle les graisses. Ces deux-là, ils vont favoriser l'élimination des toxines et des graisses présentes dans l'organisme. D'une semaine déjà, vous allez voir la cellulite qui va être considérablement réduite. Alors, je ne vous dis pas encore une fois qu'elle va disparaître, mais vous allez voir qu'elle va réduire de plus en plus. C'est pour ça que je vous conseille de commencer donc sur un mois, voir un peu comment votre corps il va réagir, comment vous allez éliminer, etc. Et si vous voyez des résultats, ce qui va se passer, vous continuez. Vous avez aussi la cure minceur que Thomas il a pris pour éliminer les excès, des fêtes et tout ça, qui va vraiment vous permettre clairement de perdre du poids. Vous allez voir sur le site, j'enlève mes stress. Il y a plein de produits différents et tous les produits sont 100% naturels. C'est vraiment que des bonnes choses. Moi, j'avais vraiment envie de tester cette cure-là parce que je suis concernée, comme toutes les femmes, je pense, par la cellulite. Et du coup, ça s'accumule. Et si on ne fait rien, pas énormément de sport, etc. Bon, je fais en sorte de manger correctement. Je ne mange pas trop salé. Là, vous voyez, j'ai encore mangé un petit poisson, des légumes et tout. Mais j'ai quand même fait des excès pendant les fêtes, comme tout le monde. Hein, j'allais pas me priver puisque voilà. Mais du coup j'essaie de reprendre un petit peu tout ça en main et c'est en traitant ces petits soucis de l'intérieur qu'on peut avoir des très bons résultats par la suite.
là, c'est parti. Petit gommage de chez Hello Body. Je vous le montre, c'est le coco pur. C'est celui-ci. Il est vraiment super. Il y a des graines de café à l'intérieur. Ça permet de bien gommer. Donc, vous l'appliquez. Enfin, moi, je le mets d'abord sur mes mains, genre comme ça. Vous l'appliquez sur le visage. Et là, vous faites des petits mouvements circulaires. Donc, vous faites bien tout le visage, le cou. Et vous pouvez même faire le décolleté. S'il y a des personnes qui ont des petits boutons d'acné sur les bras, le dos, vous pouvez l'utiliser aussi. Il est 100% naturel. Donc, il n'y a aucun souci. Vous gommez comme ça. Si ça accroche un petit peu, vous venez émulsionner avec de l'eau pour bien faire travailler le gommage et bien pouvoir gommer la peau. Ça, vous le faites une fois par semaine. C'est très important d'exfolier la peau. Ça évite qu'il y ait des boutons, des amas graisseux, que les pores soient obstrués. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, ça vous fait une peau bien lisse et surtout, les pores, ils sont pas, enfin, il n'y a pas de saleté dedans. Donc, il n'y a pas de boutons par la suite. Petit mouvement circulaire. Je m'en reviens. Des petits mouvements circulaires. Mais recule pas. Merci. Tu veux faire ? Non, merci. J'ai déjà fait un truc hier. Parce qu'attention, lui aussi prend soin de sa peau. Les masques, les gommages, le barbier, etc. En 2021, ah oui, on c'est fini l'âge de pierre, hein. C'est fini longtemps. Excuse-nous. Hein. Ouais. Donc, toi, t'es beau naturellement. Qu'est-ce que t'as besoin, hein, sérieusement? Laisse ça pour moi. Voilà, donc là, petit gommage, ok. On nettoie bien la peau et après, je vais faire une dinguerie. Je vais faire le Coco Clear, le meilleur masque purifiant au monde. Il est vraiment bien pour les personnes qui ont de l'acné sévère, genre cicatrices d'acné, trous dans la peau, etc. Ça lisse la peau et ça réduit l'apparition des... En fait, je parle trop, donc mes snaps, ils vont jusqu'au bout, ça me rend dingue. Et après, je dois refaire et j'ai les mains dégueu et j'allume mon téléphone. Bref, donc ça, meilleur masque purifiant au monde. Voilà, il en reste pas beaucoup parce qu'on est deux dessus, n'est-ce pas? C'est pour les hommes et les femmes, celui-là, il permet d'avoir une peau de dingue. Il est purifiant, donc si vous avez des boutons, des points noirs sur le nez, des boutons, etc., ça vous fait disparaître les boutons. En deux utilisations, clairement, il n'y a plus rien. Il assèche pas la peau et en plus de ça, il est génial pour les cicatrices. Si vous avez des cicatrices d'acné, des trous dans la peau, de la dépigmentation, enfin tout ce genre de trucs, vous mettez le masque, vous laissez poser, je crois, entre 10 et 15 minutes. Vous rincez. Quand vous rincez, vous enlevez bien. Il faut bien émulsionner pour faire partir le masque. Bon, il est de cette couleur, il a la couleur de la boue. Je vous mettrai les ingrédients, mais pareil, on est sur du naturel. De toute façon, Hello Body, c'est que des produits naturels, donc il n'y a aucun souci. Donc le masque, je l'applique au doigt. Après, ce qui est bien, vous avez sur le site Hello Body un petit pinceau applicateur qui permet d'appliquer les masques et tout. Comme ça, ça évite de vous salir la racine des cheveux si vous avez des extensions de cils, les sourcils et tout ça. Donc ça vous... Il est vraiment bien ce petit pinceau, sauf que moi, je sais jamais où il est le mien. Donc là, vous appliquez sur tout le visage et on va laisser poser une quinzaine de minutes. Ouais, y a quoi? Oh, c'est trop bizarre, on voit trop mal. Non, mais y a un problème. C'est tout petit. T'as fait quoi? Non, tu vois bien, y a cassé la plaie. Oh merde, elle est cassée? Je te jure que j'ai rien fait. Avec moi, là. Non, la vie de ma mère que j'ai rien fait, je jure sur la vie de ma mère. C'est le bon Dieu. C'est pas moi, c'est le bon Dieu. Ah ouais, elle marche plus. Y a un trait vert en bas. Elle est abîmée? Elle est morte, bah, regarde. Elle est cassée. Ça fait deux fois que j'allume, deux fois que ça fait ça. Putain. Je joue jamais. Bon, du coup, je suis en train de faire mes ongles et j'ai plein de questions des personnes qui ont vu sur mon Insta Story en fait que j'avais un nouveau produit. Enfin, que j'allais lancer un nouveau produit Nabila Beauty. Donc, c'était pas prévu que je vous en parle maintenant, mais le maquilleur
qui est aussi un ami qui s'appelle Booba, enfin qui est très connu à Dubaï. J'ai pas vu, enfin j'avais pas vu qu'il avait mis cette story et du coup je lui ai pas dit de pas poster. Enfin il a pris la story, il l'a postée sans me demander avant. C'est pas bien grave. Et du coup j'ai plein de personnes qui me disent ah on a vu que tu lançais un nouveau produit qui est un mascara. Voilà, donc je n'ai pas dit de l'effacer parce que j'ai eu déjà trop de commentaires. Et du coup, voilà, ça ne me dérange pas que vous l'ayez vu. Donc oui, on va lancer un mascara sur lequel on travaille depuis 6 mois maintenant parce que bah, c'est un peu compliqué. Et on a trouvé la brosse parfaite. Bon, faites pas attention à ma tête, j'ai enlevé le masque. Et en fait, la dame pour les ongles, elle était là. Parce que j'ai encore mes ongles de Noël quand même avec les petits flocons de neige et tout dedans. Donc là, j'ai refait les ongles à neuf. Elle est en train de me terminer. J'ai fait couleur pêche, ça va être trop beau. Donc je me suis à peine démaquillée, tout ça, du shooting. Mais voilà, c'est là que je vais lancer un nouveau produit qui est un mascara très prochainement. Et c'est pour ça que j'ai organisé... donc on a organisé le shooting aujourd'hui. Donc il y avait le shooting avec moi et le shooting avec les modèles pour vous montrer un petit peu les avant-après. Enfin, il est juste incroyable. Donc voilà, j'en suis très fière de ce produit qu'on a développé. Et du coup, il y a aussi une autre nouveauté. Celle-ci, elle n'a pas encore fuité, donc je suis très contente. Il y a 2 grosses nouveautés qui vont sortir dans les mois à venir. Donc voilà, restez branchés en tout cas. Des beige nude pour la nude collection. Et comme je vous ai dit, on a fait 2 fois du réassort. Là, ça va arriver donc ce mois-ci, comme je vous avais promis. Mois de janvier, on la remettra en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont pas pu la commander. Je pense qu'en fait, le nude, tout simplement, c'est des couleurs qu'on utilise tous et qui sont faciles à travailler, qu'on peut mettre tous les jours. Et du coup, voilà, ça a plu à beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça qu'on a fait 2 fois du réassort et que maintenant, il a fallu attendre un petit peu plus longtemps. Mais comme je vous ai dit, ce mois-ci, janvier, je me suis engagée, on la remet en ligne. Elle ne sera pas en précommande, elle sera en livraison directe et express. Donc, vous pourrez la commander très prochainement. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram Nabila Beauty parce que quand elle sera en ligne et quand il y aura... Et donc, quand elle sera en ligne, cette palette et quand il y aura les nouveautés, les images du shooting, c'est vraiment sur ce compte Insta qu'on va les poster. On est une très grosse communauté sur le compte, donc n'hésitez pas à aller suivre le compte Insta Nabila Beauty. Il y a plein de nouveautés qui arrivent, genre des jeux concours, des trucs à offrir que je vous l'annonce de cette manière-là. Mais maintenant que tout le monde l'a un peu vu, voilà, je vous l'annonce officiellement et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Give it this mommy. Bravo.